Bonjour à vous, mes chers amis. Voilà, pendant que je mettais mon tirage en ligne tout à l'heure, il y avait Notre-Dame qui avait commencé de flamber. Et moi, j'étais en train de faire le tirage sur le discours de Macron, qui du coup est passé à l'as. Et la Maison Dieu est sortie. Et en fait, la Maison Dieu, eh bien, c'était Notre-Dame, hein. Puis c'est le feu, hein, les flammes qui touchaient la tête. Vous savez que la flèche s'est effondrée. Ouais, je suis bouleversée, hein, là, je vous cache pas. J'ai eu l'impression de revoir le 11 septembre quand j'ai vu ça. Enfin, je sais pas, ça m'a. Bon, la toiture s'est effondrée pour les gens qui nous suivent de l'étranger. Une charpente vieille de 900 ans. La flèche qui avait été construite par Viollet-le-Duc au 19e siècle, donc il y a 150-200 ans à peu près déjà maintenant. Voilà, donc c'est parti en fumée. Et bon, je voudrais au moins savoir, je sais pas, je vous garantis pas, hein, je sais pas si je suis en état de faire un tirage ou pas, mais je voudrais au moins savoir si Notre-Dame va être sauvée. Je vous cache pas que franchement, quand j'ai appris ça, oh là là, j'étais bouleversé, quoi. J'ai vraiment un sentiment d'horreur de voir ça. C'est Notre-Dame, c'est nos racines, c'est. Je sais pas, bon, on va regarder si on peut la sauver, si elle sera sauvée. La papesse, c'est un symbole chrétien, le mat, les tribulations, le monde. Mais donc, ça sort en droit en plus, le pendu. Écoutez, c'est pas si mauvais que je croyais. Il y aura des choses qui seront perdues, hein, avec le pendu. Bon, ben voilà, on a perdu un patrimoine d'une valeur inestimable, hein, c'est-à-dire des charpentes qui ont 900 ans. Donc ça sera perdu. Pourtant, vous voyez, on arrive quand même, malgré qu'on a été très endommagé, Notre-Dame a été endommagée, mais vous avez là quand même une instance spirituelle supérieure qui est là, qui protège. Hein, c'est le pape, enfin c'est la papesse, c'est une femme, c'est un pape femelle, quoi, femme, c'était la papesse Jeanne, hein, la papesse cachée. Je veux dire par là qu'il y a des forces spirituelles cachées, qui sont bienveillantes et qui protègent malgré tout nos symboles les plus chers. Hein, nous avons là le mat qui continue quand même. Notre-Dame, elle sera restaurée. Et puis nous avons le monde. Il y a une résurrection, même si avec le pendu, il y a bien sûr la perte de choses, d'un patrimoine, hein, comme j'ai dit, inestimable. Malgré tout, je crois que les rosaces seront préservées, il me semble. Hein. J'ai un flash, la mandorle, c'est la rosace, c'est les vitraux, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein, dans le jeu, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est quand même, on dirait que là, c'est bien protégé quand même, malgré tout. Enfin, j'espère pas me tromper parce que je vous dis, je suis pas trop en état serein là tout de suite. Hein. Hein, donc, faut pas m'en vouloir si je me suis trompée. Voilà ce que je peux dire. Mais aussi, oui, avec le pendu, ce qui me vient, c'est que là, il y aura un changement de paradigme, puisque le pendu, c'est dans cette position qu'il a vu au ciel les runes, hein, donc les messages gravés. Donc c'est dans ce sacrifice, cette situation de sacrifice, qu'il va y avoir un changement. Même dans l'Église, hein, ça va bouger. Il va y avoir, les gens vont retourner dans les églises, vont retrouver la foi. Il va se passer quelque chose en fait. Vous savez qu'on est en plein. Hier c'était les rameaux. Là la semaine de Pâques va commencer. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quand. Vous voyez que ça flambe. Donc va y avoir un regain là aussi, un regain d'authenticité. Voilà ce que je peux dire. Bon, donc je pense qu'on va arriver quand même à sauver les meubles malgré tout, même si bon, je vous cache pas qu'il y a des choses qui sont perdues, hein. Là c'est clair. Et puis quant au discours de Macron, ma foi, il est complètement passé à l'as. Je crois qu'on y aura droit demain. Et écoutez, vous savez, moi je vais pas m'amuser à regarder ça. Déjà, Notre-Dame, ça m'a suffi, hein, donc je suivrai les commentaires des journalistes demain, et puis ça ira bien comme ça.
Je vous souhaite une bonne soirée si la chose est possible. Et puis, essayons de nous relaxer. Moi, je vais faire de la méditation, je vais faire des choses comme ça pour la France, pour Notre-Dame, et puis pour nous tous, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis on se soutient, on se serre les coudes, et on se resserre bien entre nous, surtout, hein. On est tous solidaires, tous solidaires. Allez, à bientôt, au revoir.